Allô? Monsieur, c'est Porto, moi j'écoute. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous pouvez récupérer ma sultane. Bien sûr, monsieur, il faut attendre jusqu'à demain, le temps qu'elle soit fouillée. Et... D'accord, pas de problème, merci. Au revoir. Bon. Oui. Oui. Non, mais c'est pas. Hop. Oh là, monsieur. Mais c'est toi qui as contre-sens. J'ai pas conduire ou quoi? Bon, j'ai mal regardé. Allez, monsieur, contrôle. Quoi, contrôle? Alors ça va ma couillasse? Ça va ma couillasse? Vous êtes baisé, vous avez cru que j'allais m'arrêter?
Oh yes, il pleut plus enfin. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Ouais, je l'entends. Moi, tu m'entends? Ah, c'est bon, je vous entends. Ouais, je vous entends. Mes agents voudraient vous poser quelques questions quoi, sur votre véhicule. Ouais, bonjour. Cet agent-là voudrait vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Bah, du coup, monsieur, c'est pas vous par hasard que... On vous a vu à contresens, on a voulu procéder à un petit contrôle et vous êtes barré par le petit garage, par la petite entrée qui est... Ben non monsieur, j'ai travaillé dessus comme vous avez vu votre collègue là, j'étais en train de la réparer. Par hasard, bien sûr. Mais j'étais en train de la réparer, ça fait 3 jours qu'elle est immobilisée. Ok, c'est votre véhicule. C'est bizarre. Ouais, c'est mon véhicule. Du coup, mais monsieur, c'est exactement le même véhicule que vous avez présenté déjà. C'est genre le même. Je vous passe mon permis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, monsieur, qu'il y a plein de voitures comme ça, après, ça je dis rien, hein. Oui, mais plein de voitures comme ça, et bizarrement, ça revient ici. Mais monsieur, ça fait 3 jours qu'elle est immobilisée, j'étais en train de la réparer. Ah bah non, monsieur, hein, je suis désolé, mais quand on est passé par le garage, elle était pas là, cette voiture. Bah, c'est pas possible, elle est immobilisée depuis 3 jours. Ah bah non, monsieur, hein. Ah, ça va pas se passer. Ah, ça c'est sûr. Quand on était passé devant le garage pour vous voir, il y avait pas la voiture. Il y avait pas la voiture là. Je suis désolé. Monsieur. Vous voulez que je vous donne mon permis là ou... Oui, très bien, bah, mais après. Mais... Voilà. Oh là là. Permis et contrôle technique, s'il vous plaît, monsieur. Tenez le permis. Hop. Et je vous jure qu'elle était là, hein. Elle était garée ici là, puisqu'on a réparé dessus, puisqu'on peut passer en dessous. Mais. Et le contrôle technique doit être dans la boîte à gants. Monsieur, vous descendez? Oui, j'ai cherché dans la boîte à gants. Hop. Sympa la voiture. Vas-y. Bougez pas. Tu peux vérifier la plaque, s'il te plaît? Ouais, je te dis ça. Alors, à la partie alors... à Garcia Lopez. Le contrôle technique, hein? Ouais, le contrôle technique. Hop, tenez. Il me semble que c'est lui. Plaque d'immatriculation IMJK 152. Non, c'est pas celle-là, monsieur. Ah, bon, mais je vais aller voir en bas, peut-être. Faire du tri là vite fait. Bon monsieur derrière la porte, il y a un sous-sol je jure. Non, j'allais voir en bas, j'allais pas. Bah écoutez, alors que c'est le mécano qui me l'a vendu. Déjà, pourquoi vous m'avez présenté un contrôle technique qui n'est même pas à votre nom? Bah c'est le mécano, c'est au nom du mécano. Nom, prénom, propriétaire, John Stanley, y'a un problème là. Bah c'est normal, c'est lui qui m'a fait le contrôle technique d'une des voitures. Mais c'est un trou du cul ce mécano. Bah oui, il m'a donné le contrôle technique parce que c'est lui qui m'a vendu la voiture. Ah ok, c'est lui qui avait, ok, très bien. Du coup, monsieur Cadet. Ouais. Est-ce que vous pouvez lui faire du coup une amende pour défaut de contrôle technique, s'il vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse l'Alfa Romeo là? Je la vends. Non, du tout. Ouais, je verrai dès que je serai plus en service, je viendrai. Ah, on peut faire ça là si vous voulez. Non, j'ai pas la thune, j'ai la flemme d'aller retirer. Ok. Je te fais une petite amende. Hein, Monsieur ? Quoi ?
Non, pas vous. Monsieur Garcia. Ça vous embête si on regarde ce qu'il y a dans le coffre par hasard ? Nos RP là, il est parti, il est pas rangeur. Merde. Je te parle de RP, pourquoi il a fait un délit alors qu'il avait tout ? Quel genre c'est moi ? Je suis pas dans 7, hein. C'est lequel déjà ? C'est 10 combien défaut de. Ah, défaut contrôle technique. Décale-toi, sinon je vais te la mettre. Ouais. C'est bon. Allez-y, signez. Là, ouais, juste là. Il vous faut quoi, là ? Ouais, là. Monsieur, putain. Ça vous embête si on regarde ce qu'il y a dans votre petit coffre ? Dans le coffre de quoi ? De la petite voiture, là. De la petite automobile. Petite voiture noire. Attendez, je signe. Ne vous inquiétez pas, prenez votre temps, on n'est pas pressé. Et voilà. C'est carré pour moi. Ah, par contre, ça va me casser les couilles là. Tous les gens gagnent des gros lots. Moi, j'ai dit 50 fois. Je vais voir là, je vous dis. Ça vous embête pas si on regarde le coffre ? Je sais pas ce qu'il y a dans le coffre, hein, j'ai peur. C'est juste par question de sécurité. Je voudrais au moins, merci monsieur pour votre coopération. Allez-y, regardez, j'ouvre. Elle gagne deux fois de suite ! Oh la pute ! Oh, ah, oui. Oh merde, oui. Putain, je joue 50 fois aujourd'hui, j'ai pas gagné, ouais, ça me casse les couilles. Vous en avez oublié votre accent, putain. Ah, voilà. comment on fait pour montrer du doigt ? Merci. Alors, on monte pas du doigt, officier, c'est mal poli. C'est, on a été bien éduqués, on monte pas du doigt. On est d'accord que ce qu'il y a les petits messages là, comme quoi elle a gagné, on le voit pas, ça. Bon, je vais aller sauter dessus. Vous savez pas conduire ou quoi ? Wesh, wesh, wesh ! Ah, 08 est pas là. Ah, 08 il est pas là, hein. Bon, bah, je vais prendre le relais. Ben là, faut appeler un mécanicien, hein, vu la voiture, hein. Non, il y a déjà un de tes potes qui lui saute dessus. Il y a déjà un de tes collègues qui lui a sauté dessus. Il y a déjà un de tes collègues qui lui a sauté dessus. Oui, un de tes collègues, genre il lui a couru après. Non, c'est un SOS. Bah oui, bah c'est la banquière. Bah oui, c'est une SOS. Je sais pas moi. Si, elle a fait un excès de vitesse. Oh! Je vais t'enculer, hein. Et apprendre à conduire! Oh! On va appeler un mécanicien là, vous avez comment on va aller rentrer dedans? Tu me passes devant comme un ouf! C'est vous! Mais non, c'est vous, monsieur! Allez, on se met sur le côté, on va faire un constat! Non, on va faire un constat! On va faire un constat! Que dalle!
C'est sûr, on va faire un constat. Alors, mon petit monsieur, on fait un constat. Mais non, mais monsieur, vous êtes... Vous on fait un constat. Voix, non, mais... Bah si. Alors là, c'est bien la première que je vois ça. Et je quoi? On va avancer tranquillement avec cette voiture-là. Parce que... Non, vous avez dévié de votre route et vous m'avez rentré dedans. Mais non, j'ai pas dévié ma route parce que j'étais dans ma voie. Non, on fait un constat. On fait un constat. On va constater. Allez, tu fermes ta gueule. Je te coupe tous les moyens de communication. Je te coupe tout. Allez, tu montes à l'arrière. Monte à l'arrière. Dépêche-toi. Allez, monte. Monte. Mais qu'est-ce que tu fais là? Monte. À l'arrière, j'ai dit. Et pourquoi faire? À l'arrière. Dépêche-toi. Et pourquoi faire? Dépêche-toi. Attends, c'est moi qui ai les clés. Allez, monte. Et alors? Je t'enlève. Hop, j'ai pris ton taser et j'ai vidé ton pistolet. Ok. Allez, on ferme les portes et je t'attache. Tout est verrouillé. Alors, c'est quoi ton petit nom? Pourquoi? Mais parce que, je te demande. Mais parce que quoi? C'est quoi ton petit nom? Moi j'ai pris mon taser, non? Ouais, j'ai tout pris, ouais. J'ai pris ton taser et j'ai vidé ton chargeur de pistolet. Ok. Hein, ma poule, c'est quoi ton petit nom? Herman. Herman Max. Max Herman. Exactement, c'est ça, c'est bien mon nom. Ok. Bon. Qu'est-ce que vous me voulez? Bon, toi je te veux rien. Tu peux pas, je t'ai bloqué tes moyens de communication. Merde. Ok. Attends, je vais leur dire fausse alerte. Il est débile. Fausse alerte. J'ai fait une mauvaise manipulation. T'es con, quoi. Je t'en sors bien. Mais ton alarme, tu crois que c'est sur quoi? Sur ta radio, sac à merde. Alors... Tes moyens de communication, c'est-à-dire que tu peux communiquer avec personne, donc tu peux pas utiliser ton alarme. Parce qu'une alarme communique avec des gens. Est-ce que vous êtes allé sur les lieux du crime de ce petit là, Kenny? Vous y étiez ou pas? Kenny, quand? Tout à l'heure, là, dans un chantier. Oui, un chantier là. Ah oui. C'est bon, vous souvenez? Comme une merde. Ouais, c'est ça, ouais. Quand je suis arrivé, il était en PLS, j'aurais dû voir le truc. Ouais, j'ai mes doutes. Ah, vraiment. Et c'est vraiment une chieuse. Là, quand on était chez le mécano, il s'est quand même chié dessus parce que soi-disant, il y avait un monsieur qui courait. Ah. Il dit, ouais, là, il y a un monsieur qui court. S'il vous plaît, vous restez là ou allez l'interpeller. Enfin, ah, ouais, c'est un parano, quoi. Ouais. Il a cru que vous lui vouliez du mal. Moi? Bah je sais pas, c'était... Je sais pas qui c'était moi. Ok. Je dis pas vous exactement, mais genre qu'une personne voulait... Enfin, lui voulait du mal quoi. Ouais, j'ai... Mais je sais bien que t'as compris. Je suis pas con. Hein. Hop. Et du coup, pourquoi vous me prenez en otage, hein? Parce que j'ai envie. Ok. Vu comment vous me faites chier en ce moment, les flics? Je vous ai rien fait, monsieur. Allez, descends. Hop, bouge pas. Hop. Ah oui, d'accord. Allez. Ah bah oui. Il a appelé les policiers aussi pour qu'ils viennent comme ça, histoire de... Tu non, c'est bon, c'est bon. Vous êtes sûr, hein? Oui. Bah, ok. Si vous voulez, je peux rallumer mon téléphone pour leur dire... Non, tu vas fermer ta gueule. Mais pourquoi vous me fouillez? Parce que... Vous êtes pas cool quand même, hein. Des nuggets, vous voulez des nuggets?
Ah ouais, ce qui me casse les couilles, c'est que t'as rien sur toi qui me sert. Bon, tu as de la chance, je vais pas te prendre tes sous ni rien. Allez, monte. Monte là-haut, là. Vous êtes alcoolisé, monsieur. Monte. Faut là-dedans. Faut là-dedans, quand même. Monte. On teste l'alcoolémie, monsieur. Monte, dépêche-toi, tu vas prendre une balle dans la gueule ou quoi? Non, c'est bon, vous êtes pas alcoolique. Allez. Allez, on monte. Allez, moi je fais que ça, monsieur. Hein. J'ai un peu le vertige quand même. Ouais, c'est bien, je suis content. Et franchement, on a une belle vue comme ça. Attention, on parle à mon cul. Avancez. Franchement, vous êtes pas cool, hein. Vous voulez prendre une balle dans le gosier ou quoi? Allez, je me décale. Allez, vous montez encore. Oh, oh, oh. Merde. T'es un trou de balle. Oui, mais je voulais te tuer, pas te. Je vais mourir aussi. Je suis mort aussi. Mais non, mais ça veut pas descendre de l'échelle. C'était bizarre, un policier avec un mot. T'es mort. Mais ouais, mais on va demander à refaire la scène. T'es tombé dans les escaliers comme une grosse merde en voulant te décaler. Ouais, ok. Attends, je mets en peu. Allez, monte encore, sac à merde. Sac à merde, alors mon coco, tu vas mieux me parler. Ouais, c'est ça. Moi j'ai fait du karaté quand j'avais 10 ans. Ouais, c'est bien, je suis content. Allez, t'avances là au bout. Ouais, j'ai le vertige quand même. Non, l'autre le bout, connard. Ah. C'est vrai que c'est mieux pour tomber. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, avance. Attendez, je vous décale un peu là. Je pense que je vais jusqu'au bout, hein. Non, attends, arrête-toi. Oh, viens vers moi, viens vers moi. Là, là. Non, viens vers moi. Remonte. Tu fais espace. Tu fais espace. Ah. Voilà, comme ça c'est mieux. Bon, en ce moment, je vois que vous, là, les policiers, vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon dos, là. Non, 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 vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries aussi, hein. Tu veux faire le malin, là, vraiment? Non, vous faites beaucoup de conneries, vous aussi, hein. À 30 mètres d'altitude, tu veux faire le malin? Mais vous êtes aussi à 30 mètres d'altitude, à tout moment, vous, ouais, vous me lâchez, que... vous mettez une... Que... une patate et bang. Oui, d'accord. tu vois le dessin, là, qui est écrit? Attention, chute. Tu le vois ou tu le vois pas? C'est marqué caution. Caution, ça veut dire attention, connard. Non, si, attention, si. C'est attention. Caution, allez, c'est pas attention. Ta gueule. J'espère que tu les entres très très vite. Parce que ça arrive à 120. Ah mais théoriquement le temps qu'ils arrivent... Bah moi aussi je les entends. Thank you.
Merde, je t'ai dit qu'on mangeait, je suis un trou de balle. Je t'ai dit qu'on mangeait.